Bienvenue au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de la sac-boute électronique, l'un des premiers synthétiseurs connus et l'une des premières innovations en matière de musique électronique. Hugh LeCaine est l'innovateur canadien à l'origine de cet instrument. Il a commencé sa carrière comme physicien en concevant des systèmes radars au Conseil national de la recherche du Canada. Bien que physicien de métier, sa véritable passion était la conception d'instruments de musique électronique. Dans son atelier, entre 1945 et 1948, LeCaine a mis au point un instrument révolutionnaire qui a été appelé la sac-boute électronique. Son nom est inspiré de la sac-boute, un précurseur archaïque du trombone moderne datant du 15e siècle. LeCaine n'avait aucun moyen de le savoir, mais il était en train de construire l'un des premiers synthétiseurs analogues au monde, deux décennies avant que le premier synthétiseur commercial ne soit vendu. En regardant l'artefact, on peut voir à quel point il était expérimental. Il ne faut toutefois pas se fier à son apparence brute. La sac-boute électronique est un instrument puissant, possédant un grand nombre de caractéristiques et de sons que nous associons aujourd'hui aux synthétiseurs modernes. En 1954, le Conseil national de recherche du Canada voit un tel potentiel dans la conception de LeCaine qu'il lui confie la direction de son nouveau laboratoire de musique électronique, le premier au Canada. Sa mission? Travailler à temps plein à la mise au point de nouveaux instruments électroniques non conventionnels destinés à d'autres chercheurs et aux artistes. Au cours de sa carrière, LeCaine a conçu plus de 20 instruments uniques et est considéré comme l'un des plus importants pionniers de la musique électronique au Canada. Vous pouvez venir voir la sac-boute électronique et d'autres instruments étonnants inventés par LeCaine dans le cadre de l'exposition « Concevoir le son » au Musée des sciences et de la technologie du Canada ».